Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, euh, vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va parler des drapeaux. Euh, bah oui, on les connaît tous les drapeaux, sauf que euh, ça nous arrive souvent de faire des courses et de se dire euh, mais c'est pas possible, lui c'est pas ce que c'est qu'un drapeau bleu, ou bien recevoir un message après une course et, et quelqu'un qui nous dit euh, euh, tu sais comment ça marche un drapeau jaune Donc effectivement on les connaît mais peut-être qu'on les connaît pas tant que ça. Alors là, je vais vous parler des drapeaux les plus courants. Euh, pas tous les drapeaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ceux qu'on peut re retrouver le plus souvent. Donc, euh, on en aura 6 ou 7. Euh, donc voilà. Donc euh, nous allons voir ce qui signifie, euh, pour quelles raisons ils sont agités et quelle attitude adopter lorsqu'on voit ces drapeaux. Alors, on va commencer avec le drapeau jaune. Le drapeau jaune, euh, il va être agité lorsque vous allez avoir une zone de danger. Euh, par exemple, une voiture qui s'est crachée ou une voiture qui est juste hors piste. Euh, donc, quand vous avez un drapeau jaune, déjà, première chose, c'est qu'il est interdit de doubler. Alors, la voiture qui est en difficulté, bien sûr, vous pouvez la doubler, mais par contre, si vous êtes euh, en bagarre avec un, un adversaire, vous n'avez pas le droit de le doubler et lui n'a pas le droit de vous doubler non plus pendant cette zone de drapeau jaune. Il faudra attendre un drapeau vert pour pouvoir reprendre la course. Donc euh, l'attitude à adopter c'est tout simplement donc ne pas doubler bien évidemment et ralentir un petit peu et être très attentif. Lorsque par contre vous allez voir un double drapeau jaune, là c'est que vous arrivez dans une zone de danger qui est vraiment. Euh, ça va être plus un gros carton, plusieurs voitures euh, qui se sont crachées entre elles. Donc le double drapeau jaune par contre vous devez ralentir significativement. Là il faut vraiment baisser, baisser votre rythme, toujours interdit de doubler bien évidemment. Euh, et faut même euh, vous préparer à peut-être être obligé de vous arrêter. C'est que là vraiment il y a un gros crash. Euh, il peut, le, le double drapeau jaune aussi, vous pouvez le retrouver euh, si par exemple il y a une voiture euh, qui, est, qui est arrêtée sur le bord de la piste euh, et à chaque tour que vous allez passer, tant que la voiture n'est pas enlevée, vous pouvez avoir un double drapeau jaune pour prévenir attention, il y a vraiment euh, un gros danger. Donc euh, voilà. Alors après le drapeau jaune, on va voir le drapeau vert. Le drapeau vert, en fait, tout simplement, il signifie que la piste est claire. Donc, généralement, c'est après une zone de danger. Donc, souvent, c'est un drapeau jaune. Ça peut être aussi un drapeau blanc, un drapeau euh, jaune et rouge, celui où il y a de l'huile par terre. Donc, voilà, vous avez un drapeau vert qui va être agité une fois que cette zone, elle, est passée, pour vous dire que la course peut reprendre. Et donc, les dépassements sont à nouveau autorisés. Un drapeau qui est assez proche du drapeau jaune, c'est le, le drapeau blanc. Le drapeau blanc, tout simplement, il signifie qu'il y a une voiture qui est en difficulté, qui est au ralenti. Donc euh, bah là, il faudra faire très attention. Euh, pareil, vous pouvez ralentir un petit peu votre rythme et, et faire bien, bien attention. Par contre, lorsqu'il y a un drapeau blanc, euh, les dépassements sont autorisés. C'est une petite différence avec le drapeau jaune. Là, vous avez le droit de dépasser. Alors après le drapeau blanc, on va parler du drapeau rouge. Le drapeau rouge, en fait, ça, ça veut dire qu'il y a une interruption de course. Alors, ça peut être dû à une intempérie, euh, un très très gros carton, euh, comme on avait eu une année à Spa euh, en Formule 1, où il y avait eu, pff, je sais plus quoi, 16 ou 17 voitures accidentées euh, juste après la source. Euh, voilà, donc le drapeau rouge, interruption de la course. Euh, donc, vous êtes invité à regagner les stands à une vitesse euh, modérée, voire même euh, lente. De euh, toute façon, le drapeau rouge, vu que la course est arrêtée, vous avez tout votre temps pour rentrer au stand, donc euh, vous ne précipitez pas. Et bien évidemment, vous n'avez pas le droit de dépasser ni rien, c'est vraiment... c'est comme un régime de safety car. Ensuite, nous allons parler du drapeau rouge et jaune rayé. Alors celui-ci, en fait, il va vous indiquer, en règle générale, c'est souvent parce qu'il y a de l'huile, donc une voiture qui, est, qui a craché, il y a l'huile qui a coulé ou tout simplement un moteur qui casse. Et vous avez de l'huile sur la piste à une certaine zone. Donc vous aurez ce drapeau qui est agité, ça veut dire qu'en gros, vous avez une. Une partie d'adhérence moins bonne sur la piste, donc faut il faire, faut faire vraiment attention. Donc euh, là ce que je vous conseille c'est de regarder bien la piste, essayer de voir où elle est cette zone d'huile et pour l'éviter bien évidemment. Et normalement, une fois que la zone là elle est passée, si je dis pas de bêtises, vous aurez un drapeau vert qui sera agité euh, juste après. Alors maintenant on va parler du drapeau noir avec le rond orange au milieu. Euh, alors ce drapeau là dans les jeux généralement on le voit pas, d'ailleurs comme celui euh, rayé jaune et rouge, hein, je crois pas qu'on les voit dans les jeux, mais bon j'en parle en, en... tant qu'affaire. Donc le drapeau noir orange là. C'est un drapeau en fait qui va vous indiquer avec votre numéro de voiture, ça indique donc la voiture concernée, c'est pas pour toutes les voitures, c'est juste pour une voiture, que vous avez par exemple un dégât trop important sur votre voiture, par exemple un gros bout de carrosserie qui est en train de s'arracher, c'est très dangereux pour les autres, donc euh, quand vous voyez ce drapeau avec votre numéro, normalement vous êtes censé rentrer au stand pour faire réparer tout de suite, voire abandonner, hein, si c'est pas réparable, mais euh, c'est tellement dangereux d'avoir un morceau de carrosserie ou un morceau d'aileron par exemple sur, en Formule 1. Qui peut se décrocher et finir euh, bah, sur la voiture de derrière. Donc euh, là, quand vous voyez ce drapeau avec votre numéro, vous êtes normalement obligé de rentrer au stand. Alors, maintenant, ce drapeau-là, le noir et blanc, euh, il va vous être euh, agité avec votre numéro de voiture, si c'est vous le fautif par exemple. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une conduite euh, très mauvaise, que vous avez été en fait anti-sportif. Euh, vous avez mis un coup de roue euh, volontaire ou des choses comme ça. Donc vous allez avoir un drapeau noir et blanc comme ça. Durant la course. Si vous en avez un deuxième, par contre, vous êtes directement disqualifié, vous aurez un drapeau noir euh, direct. Donc, euh, quand vous avez ce drapeau-là, c'est généralement pas très bon. Et donc, le drapeau qui suit, justement, c'est le drapeau noir. Donc, le drapeau noir, bah, tout simplement, vous êtes disqualifié. Donc, euh, bah, vous êtes invité à regagner votre stand et puis arrêter la course. Donc, euh, bah, quand vous avez un drapeau noir, bah, <laughs> vous êtes mal barré, quoi. Alors ensuite vous allez avoir, là c'est surtout pour la... Non même la, la GT3, enfin pour plusieurs sports d'ailleurs, la Formule 1 GT3 sur mon GT4 aussi, le, le, le petit drapeau safety car, donc SC. Donc la safety car tout simplement en fait elle va sortir. Euh, normalement vous aurez la safety car et des drapeaux jaunes. Euh, c'est pas juste le petit panneau safety car, ce sera safety car et drapeau jaune, c'est-à-dire qu'il voilà, y a eu un accident euh, assez élevé euh, sur la piste. D'ailleurs quand vous allez arriver à l'endroit de l'accident, vous aurez sûrement même le double drapeau jaune. Donc là, tout simplement, la safety car va sortir devant le premier et va rouler forcément à une allure réduite. Déjà, le temps de rattraper la safety car, vous devez ralentir votre vitesse. Une fois que vous êtes derrière la safety car, tout le monde va se regrouper, la piste va être nettoyée, les voitures accidentées vont être enlevées. Et une fois que tout ça c'est propre, la voiture de safety car se retirera à la fin du tour et puis vous pourrez repartir tout simplement. Il y aura un drapeau vert qui sera agité au moment du drapeau vert, la course reprend. Alors là, vous avez maintenant le, euh, le drapeau VSC. Euh, bah, donc, même principe, euh, ce sera comme le safety car. Euh, vous aurez sûrement des, drape enfin, vous aurez des drapeaux jaunes normalement agités avec ce drapeau, voire même des doubles drapeaux jaunes euh, à l'endroit où, où ça aurait pu être assez grave l'accident. Euh, là, tout simplement, en fait, vous allez être invité à réduire votre vitesse à une certaine vitesse. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'aller plus vite qu'une certaine vitesse. Alors, c'est pareil que le full course yellow en GT3. Hein, c'est le même principe. Donc, vous devez adapter votre vitesse par rapport aux recommandations de, 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 du directeur de course. Une fois que la piste sera nettoyée, pareil, vous aurez un drapeau vert et, et la course repartira. Alors, le full course yellow, je crois que vous avez un compte à rebours. Avant de, de, bah, même le WC, c'est bien possible que vous avez un compte à rebours pour adapter votre vitesse. Et pareil, pour repartir, vous aurez un compte à rebours pour relancer vos, la course. Ensuite, vous allez avoir le drapeau le plus. Comment dire Celui où il y a le plus de débats, c'est le drapeau bleu. Alors je finis presque par le drapeau bleu parce qu'il restera encore le drapeau à damier et les LED. Euh, le drapeau bleu, en fait, euh, vous allez avoir. Ça veut dire que vous êtes... Le... Si par exemple on vous agite un drapeau bleu devant vous, c'est que le pilote qui arrive derrière vous, qui est généralement à moins d'une seconde de vous, c'est un pilote qui va vous prendre un tour. Alors, euh, pas de panique. Vous avez normalement, si je dis pas de bêtises, quatre virages pour pouvoir le laisser passer. Parce qu'effectivement, si vous arrivez, par exemple dans les combes euh, à spa, vous n'allez pas le laisser passer dans les combes. Et les combes, c'est trois virages. Vous allez le laisser passer avant l'épingle. Le... Avant Donc la meilleure attitude à avoir je pense, euh, c'est celle que vous voyez dans la vidéo. C'est-à-dire que vous prenez vos virages, et ensuite vous gardez toujours votre trajectoire, vous laissez euh, votre trajectoire. Et quand vous allez dans la ligne droite vous accélérez un petit peu moins fort ce qui fait que le, le pilote qui est derrière vous va vous doubler parce qu'il aura un peu plus de vitesse mais vous allez perdre très peu de temps parce que vous allez quand même engranger de la vitesse dans la ligne droite et dès qu'il est passé hop vous vous remettez derrière comme ça vous allez arriver dans la zone de freinage les deux seront bien sur la bonne zone de freinage et vous allez perdre beaucoup moins de temps parce que si vous voulez par exemple vous accélérer à fond dans la ligne droite et vous freinez plus tôt euh, avant le virage pour le laisser passer le pilote qui vous double va être obligé de freiner bah à côté de vous et donc pas dans la vraie zone de freinage qui fait que lui va être obligé de freiner un peu plus tôt aussi, un peu plus fort, parce qu'il n'aura pas un freinage optimal. Et comme vous êtes en train de le laisser passer, donc lui va perdre du temps, et comme lui va perdre du temps et que vous devez le laisser passer, vous allez aussi perdre du temps, donc vous perdez encore plus de temps. Donc le mieux je pense, après c'est mon avis personnel, c'est de laisser euh, laisser euh, dans la ligne droite, relâcher un petit peu l'accélérateur, faire du lift, hein, tout simplement, en plus vous économisez un peu d'essence, le laisser passer. À une vitesse, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence de vitesse, et dès qu'il est passé, vous vous mettez derrière et vous perdrez très peu de temps. Aussi, pour euh, essayer d'atténuer un petit peu les débats, le drapeau bleu, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de laisser passer. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes plus rapide que le, le gars qui est derrière vous, vous venez de le doubler, par exemple, dans les jeux, tout de suite on va vous indiquer un drapeau bleu. Bien évidemment, si vous êtes plus rapide, euh, bah vous, vous continuez sur votre rythme et vous, vous larguez le, le pilote derrière. Un drapeau bleu, en fait, ça ne veut pas dire que vous devez les passer, ça veut dire que vous devez faciliter le déplacement. Grosso modo, c'est ça. Euh, donc, tout simplement, vous gardez vos trajectoires, et puis, euh, et puis quand vous voyez que le pilote est vraiment très proche de vous, hop, vous vous ralentissez un petit peu dans la ligne droite, tout simplement, et, et ça se passera bien. Vous pouvez aussi avoir un drapeau bleu euh, lorsque vous sortez des stands. S'il y a des voitures qui arrivent, même si... Euh, si vous êtes dans le même tour et que vous êtes devant, euh, c'est possible que dans les jeux, ils vous mettent un drapeau bleu. Alors là, pour le coup, si vous êtes dans la course, euh, bah voilà, il faut y aller, il hein, faut, faut défendre votre position, bien évidemment. Ensuite, le drapeau, peut-être le plus connu, c'est le drapeau à damier, bien évidemment. Donc celui-ci sera agité à chaque fois que. à chaque fin de séance. Pour chaque pilote, c'est-à-dire euh, séance d'essai, séance de qualification et course. Donc euh, voilà, dès que vous voyez ce drapeau, c'est que c'est la fin de la course. Alors. Enfin, la qualif ou essai. Donc, quand vous serez en course, par contre, forcément, euh, le drapeau à damier va être agité au premier pour commencer, puis au deuxième, etc. Et si vous êtes un tour et que vous vous retrouvez, par exemple, entre le troisième et le quatrième, vous aurez aussi le drapeau à damier. Même si vous avez un tour de retard, euh, lorsque vous allez voir ce drapeau, vous devez ralentir. C'est fini la course, parce que bien évidemment. Euh, vous n'allez pas faire votre tour en plus parce que ce serait beaucoup trop dangereux puisque ceux qui sont déjà passés devant vous vont ralentir. Et si vous arrivez à fond dessus, ce serait trop dangereux. Donc euh, dès que vous voyez le drapeau à d'Amier, c'est que la course est terminée pour vous aussi. Et enfin... Vous allez maintenant euh, avec la modernité, euh, donc vous avez les drapeaux, des co euh, les commissaires qui agitent les drapeaux, et vous avez aussi maintenant des, des petits écrans, euh, des petits écrans sur le côté de la piste qui vont vous indiquer des, les drapeaux. Donc euh, là, pour le coup, là c'est un drapeau jaune, mais voilà, ce sont des petits écrans lumineux, euh, ce sont des LED, hein. et euh, notamment pour la nuit, c'est bien pratique parce que c'est vrai que la nuit, quand on roule la nuit, on voit pas très très bien les commissaires. Euh, là, avec les LED, on les voit, on les voit beaucoup mieux. Donc voilà, ces petits écrans font aussi office de, de drapeaux. Voilà voilà, et eh ben, écoutez, euh, on a vu la, les principaux drapeaux, il euh, y en a d'autres, hein, notamment en karting, il y en a beaucoup d'autres. Euh, mais bon, il n'y a pas lieu de tous les faire. Euh, là je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Il y en a même plusieurs qui, qui seront jamais dans les jeux où il y a peu de chance, comme euh, le drapeau rouge et, et jaune, ou le drapeau euh, noir et orange. Donc euh, même le blanc et noir, donc euh, voilà, c'est... On les a fait quand même parce que ce sont drapeaux qu'on peut voir quand même... Euh, à la télé, sur des courses, mais euh, en jeu, il y a peu de chances de les voir. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, si, si certaines choses n'étaient pas sûres de vous. Euh, en tout cas, je vous souhaite de prendre du plaisir, euh, respectez les drapeaux, bien évidemment, et puis sur ce, je vous souhaite bonne continuation, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao